Y a-t-il des demandes de prise de parole? Appuyez sur le bouton, monsieur Petit Boucher. Non, ça ne passe pas par l'ambassade des États-Unis, monsieur. Plutôt la Russie, oui. Bien, monsieur le maire, mes chers collègues, nous examinons dans le cadre de cette délibération l'attribution d'un certain nombre de subventions associatives. Que dire au juste du bien fondé culturel et social des différentes associations citées, sinon qu'il n'est pas toujours avéré? Le légitime intérêt pour le sport et la jeunesse offre ici un prétexte commode de sensibilisation à la citoyenneté, comprendre sans doute la mise en garde contre les idées du Front National. Là-dessus, une association telle que Vivre Ensemble, avec nos différences, ne ment pas sur la marchandise. Une république frelatée comme tombée du camion. Mais le plus symbolique reste le soutien financier par le biais de Yountis au trophée jeune talent de boxe arabe. Vous avancerez sans doute, et d'ailleurs à raison, que cela reste du sport et canalise les jeunes, libérant en bien les énergies. Mais à Saint-Nazaire, la boxe arabe est signée, elle porte la marque des Émirats Arabes Unis. Alors oui, pour élargir un peu la focale, l'attitude internationale des Émirats face au terrorisme fait évoluer positivement son image. Elle nous change des duplicités saoudiennes et turques en la matière, sans parler de celle du Qatar. Mais pour revenir à Saint-Nazaire, ce n'est pas suffisant pour qu'ici une telle bienveillance soit accordée à ce qui demeure une puissance étrangère, prétendant influencer notre vie culturelle et notre jeunesse avec son mécénat à grosses ficelles, que l'on parle de maillots sportifs floqués en langue arabe, les couleurs émiriennes partout, et un discours sur mesure d'Abdullah Al-Shaibani, vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe, la FIBA. Au reste, précisons que notre opinion ne se fixe pas sur une culture, ni sur une religion, parce que le sport et son acmé olympique qui unit les cinq continents en autant d'anneaux y sont aveugles et ne croient qu'en l'humanité unie. Nous ne portons personne à la vindicte. Nous contestons simplement le principe d'ingérence étrangère culturelle. Et dans la même mesure, notre réticence serait identique si, par exemple, imaginons, un élément brillant du basket club nazérien venait à intéresser la NBA, nous serions aussi sceptiques. Face au rouleau compresseur de l'argent étranger auquel le sport populaire doit faire face, relocalisons nos talents, si l'on peut dire. Notre groupe votera pour cette délibération, mais en lui donnant un oui circonstancié qui appelle votre majorité à de légitimes éclaircissements. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci. Y a-t-il des élus qui souhaitent s'exprimer ? Madame May, monsieur Rodevot. Alors, Madame May. Ça va être très court, monsieur le maire, mes chers collègues. Vous vous donnez une apparence républicaine. Vous êtes des fois Front National, des fois Bleu Marine quand on vous interpelle. Mais le fond, la réalité, c'est que votre discours, c'est la haine. Au moins, le visage est clair. C'est ridicule. Ridicule. C'est absolument ridicule. Monsieur Guillaume René Vogt. Et se rajoute la désinformation, puisque cette initiative portée par, en effet, une association de jeunes, Citane Gym, sur notre ville, pour l'organisation, la tenue de cette Coupe de France de boxe arabe, rassemblait dans nos gymnases, eh bien, des sportifs hommes, femmes, des jeunes, de plus anciens, donc une vraie mixité dans cette initiative sportive, mais aussi dans la participation d'un public, qui était familial, un public composé d'hommes, de femmes, et puis d'origines géographiques très différentes. Donc c'était l'exemple là aussi, ça participe d'outils utilisés pratiquement constamment par l'extrême droite, d'agitation de la peur, et puis aussi de sous-entendus communautaristes de certaines initiatives sur notre ville qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Très bien, monsieur De Guéral. J'allais faire une intervention sur les deux délibérations qui ont
un point commun, donc je vais la faire maintenant par rapport à celle-ci à l'autre, mais je voulais quand même répondre à notre collègue. Je souscris totalement à ce que viennent de dire M. Rinvot et Lydie Maé. J'avais prévu de parler de peur, d'exagération. Effectivement, ça nourrit un certain combat ou une certaine volonté d'amalgame, même communautariste quelque part, même si on veut combattre un certain communautarisme. Mais je crois que, voilà, je pense qu'autour de cette table, nous sommes tous élus et nous sommes redevables de la population qui nous a élus et de prendre de la hauteur pour avoir réfléchi en objectivité. Et je ne nous demande pas à tous d'être humanistes, mais avoir un peu d'humanité. Merci, Monsieur Deguera. Vous dire, Monsieur le représentant du Front National, je ne rentrerai pas. Vous connaissez notre point de vue sur les valeurs que vous défendez et sur ce qui vous anime. J'apprécie énormément les interventions qui ont pu être faites sur l'humanisme, l'humanité. Je me permettrai de vous reprocher dans cette journée si particulière. En France, en Europe, dans le monde entier, des hommes et des femmes ont perdu leur vie par des actes inqualifiables du terrorisme. Vous avez cité en exemple, et vous avez cité le mot, je trouve que vous pourriez au moins avoir cette retenue quelques minutes, quelques instants, au moins le temps d'un conseil municipal au regard de l'actualité internationale. Sur la délibération numéro 9, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité.